volets ont été chacun d'un côté de cette combinaison en bois. Là, le meneur essaye de reculer. Vous voyez que les grooms font également bouger la voiture. Magnifique. Oui. Magnifique, il s'en sort, il s'en sort. Je crois qu'on peut applaudir cette manœuvre de menage pour le numéro 6, parce que là, il fallait se sortir de ce pétrin, Girinej Vasil, dans l'obstacle numéro 4. Et là, il vaut mieux perdre 2-3 secondes à tenter là, de reculer plutôt que de mettre le pied à terre avec le groupe qui engagera plus de pénalités. Oui, absolument, absolument. Donc, ils ont vraiment fait la bonne opération. Ils se sont comportés comme ils devaient. On a vu aussi que les chevaux n'ont pas commencé à stresser ou à s'énerver. Ils sont restés à l'écoute du meneur, il en ressort avec un temps de 98-17, donc c'est toujours dans la compétition, monsieur. Allez, pendant ces images de ralenti, donc ce que tentais de vous expliquer juste avant, pour les personnes novices, hein, comme moi, qui ne connaissent pas la discipline, c'est qu'évidemment, ils partent au début de ce triathlon avec 5 chevaux. Alors, un cheval, on va pouvoir avoir